Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous pouvez attendre, eh bien, information ça y est. Je dis à nous de faire connaître, eh bien, tout ça, vous devez apprendre pour capable préparer, eh bien, filière SCS. Eh bien, nous pouvons parler, je dis à là, de qui ça, vous devez embrasser, eh bien, dans l'histoire nationale, histoire universelle et géographie générale. Et vous connaissez, les a fait SCS, eh bien, vous devez mettre plus accent sur histoire et géographie et puis économie. Jean-Louis Dula, on a pas commencé comme ça. Pour l'histoire nationale, vous devez statuer sur l'occupation américaine, le gouvernement de Joseph Stenio Vincent, le gouvernement de Lescot, la junte militaire, le gouvernement de Léon Dumas Estimé, la junte militaire, le gouvernement de Paul Eugène Magloire, la période de stabilité chronique, le gouvernement de François Duvalier, communément appelé Papa Doc, et le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, communément appelé Baby Doc. Et bien, c'est tout ça que nous devons cerner de fond en comble pour nous capables, et bien, cerner le programme du ministère. Pour l'histoire universelle, qui ça nous va embrasser? Premièrement, nous avons embrassé la Première Guerre mondiale. Pendant que nous avons la Première Guerre mondiale, nous avons la Révolution russe ou bien la Révolution bolchevique. Là, nous finis. Dans la Première Guerre mondiale, nous avons tout rentré dans la période de l'entrée de guerre. Tout de suite après, nous avons entré. Pendant que nous avons la période de l'entrée de guerre, nous avons tout la crise de 1929, communément appelé crash boursier. Là, nous sortis dans la période de l'entre-deux-guerres, nous pourrons aller directement dans la Deuxième Guerre mondiale. Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, nous pourrons entrer dans la guerre froide. Nous pourrons entrer dans la guerre froide, et pendant que nous sommes dans la guerre froide, et nous pourrons voir, eh bien, le mur de Berlin, et bien après la chute du mur de Berlin et la montée en puissance des États-Unis d'Amérique. Là, nous arrivons dans la géographie générale, nous voyons le concept puissance. Nous voyons le concept puissance. Tout de suite après puissance, nous voyons l'Union européenne. Après l'Union européenne, eh bien, nous pourrons aller directement eh bien, dans Brexit ou bien Brexit, si on a prononcé en anglais, qui c'est la sortie de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Tout suite après, nous voyons la mondialisation. Pendant que nous avons la mondialisation, nous voyons eh bien, les acteurs de la mondialisation. Tout suite après la mondialisation, nous voyons le flux. Après le flux, nous voyons triade. Et bien, pour nous cerner ça ou seulement pour nous capables de bien gagner bonne notion dans ça y les sciences économiques et sociales. N'a du même cap garder vidéo, pas oublier, abonner, partager, liker. C'était Zamion, Maître Mac. Restez branchés parce que n'a porté pour vous chaque semaine et bien ça qui ou doit connaître pour capable en mesure pour capable bien évaluer dans sciences sociales.